Florence Foresti 2020, via communiqué que l'humoriste confirmait l'annulation de son spectacle 5 heures à peine avant Shox, les détails. Aucune précision n'a été apportée, à part que Florence Foresti est contrainte au repos, rappelle le magazine Ici Paris. Donc plus de spectacles pour 2020. Le magazine qui livre quelques pistes expliquant les raisons de cette annulation du spectacle de Madame Florence Foresti. Des ennuis de santé de Florence Foresti, il en est question dans Ici Paris, qui s'interroge sur les raisons de l'annulation de son spectacle 2020. Et après avoir évoqué l'éventualité que sa fille Tony soit malade, l'hebdomadaire estime que Florence Foresti a simplement trop donné depuis le début de sa tournée et ses spectacles. Au début de l'année, Florence Foresti semblait au top à Île Maurice. Ses traits étaient vraiment très tirés, point ça m'a même inquiété. Ça fait des années que je la suis, mais je ne l'avais jamais vue aussi défaite depuis la mort de Bernie. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait annulé son spectacle. Elle a de l'énergie mais à force de tirer sur la corde, a confié un fan, qui a eu l'opportunité de la croiser quelques jours avant. Pour attendre si longtemps avant d'avertir les spectateurs, dont certains font parfois des kilomètres, il fallait vraiment que Florence Foresti soit aux abois en 2020. Pour une peine de cœur ou un souci physique? S'interroge la publication sur Florence Foresti, qui ne répond pas à cette question. Attendue sur la scène de l'Arena du Pays d'Aix ce mardi soir, Florence Foresti a été contrainte d'annuler sa représentation d'épilogue de son spectacle, au grand dam de ses nombreux fans. Sur Instagram, l'humoriste affirme rencontrer un problème de santé. De nouvelles pour les fans de Florence Foresti. Après une première représentation de son nouveau spectacle épilogue, donné à l'Arena du Pays d'Aix lundi soir, la seconde date prévue à 20h a été annulée quelques heures seulement avant le live. Autre coup expliqué sur les réseaux sociaux, notamment par l'humoriste de 45 ans. Je ne peux pas assurer le spectacle ce soir, je suis sincèrement désolé mais mon état de santé exige un repos forcé de quelques jours, a commenté la comique en story Instagram ce mardi avant son spe. Nous cherchons dès maintenant une date de report afin que je revienne vous voir dès que possible et en pleine forme. Une annonce également faite sur le compte Facebook de la salle de spectacle, qui n'a pas manqué de faire réagir les nombreux adeptes de l'humoriste, partagés entre la déception et leurs vœux de rette. Les fans ont finalement rendez-vous le 11 septembre prochain, date choisie pour le report.
Autrement, les spectateurs peuvent se faire rembourser leurs billets jusqu'au 21 juillet. Reste à voir si la comédienne de barbecue et Hollywood sera remise sur pied pour les prochaines dates de sa tournée entamée l'hiver dernier au Paradis Latin et à la Villette, à Paris. La maman de Tony, 11 ans, est en effet attendue à l'Arkea Arena de Bordeaux dès les 27 et 28 mai prochains. S'ensuivent des représentations et de ces spectacles sont prévus à Dijon, Strasbourg, Bruxelles et Nantes. Elle sera sur scène jusqu'en septembre prochain.